un rêveur, mais un rêveur avec les pieds sur terre, avec une conduite qu'on a élaborée avec mon camarade d'université il y a bien longtemps, quand on était encore étudiant d'ailleurs, et j'ai la chance d'être toujours à ses côtés, hein, Pierre Descamps, qui est le cofondateur d'Andromède Océanologie, notre société. On s'est connus sur les bancs de la fac. Et notre grande phrase, c'était: quand on veut garder ses rêves, il faut commencer par perdre ses illusions. Et voilà. Et ça nous caractérise bien. C'est-à-dire que j'ai l'impression, ça, on n'est pas des cyniques, on n'est pas des. Mais en même temps, on ne se fait pas trop d'illusions sur l'humanité, sur nos propres contradictions, sur nos. Voilà. Et en même temps, on a l'ambition de vivre une vie rêvée, quoi.